la confirmation de la neutralisation de Piero Capo. Il a tenu parole et nous a offert toute son assistance. Ce doit être une question d'honneur pour lui, même si les partisans n'ont pas forcément envie de l'aide de Dinelli. De nombreux résistants ont autant de raisons de haïr la mafia que de haïr les fascistes. L'informateur de Weaver a repris contact. Le major Hans Dorfman, l'un des fidèles de Böhm. Son adjoint Reinksa. Cette fois, il dit avoir des informations à transmettre de vive voix. Il dit savoir où est Kessler. Dinelli n'a pas confiance. On est amis, Carl. Le signor Dinelli veille juste sur ta sécurité. Mais il oublie Piero Capo. J'ai fait ma part. Là, c'est votre tour. Aidez-nous. Aidez les partisans. Peut-être que des informations te convaincraient de notre bonne volonté. Ça marche. Les pièces provenant de l'arsenal ont été amenées ici. Intéressant. Pourquoi ? Qui sait ? Peut-être que les Allemands cachent quelque chose ? Alors, on est amis ? Bien sûr. Renard à Merpoule, Renard à Merpoule. Je vous reçois, Renard. Le complexe côtier de Magazzeno coule beaucoup trop de bateaux alliés. Neutralisez les canons de marine et les radars. Terminé. Bien reçu. Terminé. Ah, le commando SOE. J'étais prêt à vous tuer. Je serai reçu en héros à Berlin. Quelque chose me dit que vous vous fichez les médailles. Oui, Andreas Kessler. Il nous le faut vivant. Oh, Kessler est au complexe côtier de Magazzeno, plongé dans ses bouquins et dans l'alcool. Pourquoi devrais-je vous croire? Pourquoi ferais-je confiance à un traître? Weaver sait que mes infos sont fiables. Il y avait bien un transport de munitions près du viaduc, non? Une bricole. Écoutez, lieutenant. Cette guerre devient un vrai guépier. Et si les alliés réussissent à percer... J'ai compris. Vous assurez vos arrières. Je veux seulement qu'on se souvienne de moi, le moment venu. C'est la seule raison, lieutenant. Carl, ça commence à chauffer. Kessler. Oh, pas que lui. Le complexe côtier de Magazzeno est un centre de déchiffrement. Voyons ce que les hommes de Böhm savent du plan allié, d'accord? Je vais voir ce que je peux faire. Quoi d'autre? Eh bien, Dinelli a tenu parole. Il a des informations pour nous. Lesquelles? Böhm a un confident. Il s'agit du major Klaus Rausbauer. Ces deux-là sont régulièrement en contact. Il connaîtrait les projets de Böhm? C'est une certitude, mon vieux. Allons cueillir. Wow, muchacho! La demeure de Rausbauer est bien fortifiée. Même pour toi, ce serait impossible, Carl. Non, non, pour l'instant, concentrons-nous sur le complexe côtier.
dois éliminer cette antenne émettrice. Cet endroit est plus dangereux qu'il n'en a l'air. Je dois faire attention. Voilà qui va me servir.
plus rien. Thank you.
nous faut plus de balles. Mince, plus de munitions.
pris tout ce qu'il y avait. Gefreiter! Position überprüfen! Schon dabei! On dirait que j'ai tout pris.
bientôt plus de munitions. Was? Ganz hübsch hier. Konzentrier dich auf deine Aufgabe, Kumpane. Plus rien à récupérer ici. Plus rien à prendre.
Plus rien à récupérer ici. Explosif pourrait détruire la base, mais je vais attirer l'attention sur moi. Auf Zack. Ces gros canons. Je dois m'en occuper avant que nous n'ayons de gros problèmes.
Je ne vois plus rien. Et les petits m'ont l'air assez dangereux aussi. Assez instable.
On dirait que j'ai tout pris. Sous-entend que les nazis ont attiré l'Orchidéa dans un piège. Ils nous ont probablement envoyé de faux messages. Thank you.
J'ai pris tout ce qu'il y avait. C'est tout.
sehen. Sieh lieber mal nach. Plus rien. Voilà qui va me servir. Plus rien à prendre.
fera une grosse... Je ne vois plus rien. D'après ce document, l'OSS avait raison de se faire du souci. Les nazis ont clairement intercepté nos communications. J'ai pris tout ce qu'il y avait. C'est tout.
a plus rien.
Voilà qui va me servir. Récupérer ici.